Donc en fait, je suis parti de ma recherche, si vous voulez, je suis parti donc d'une réflexion qui a été menée en 2015 en Belgique suite à une problématique du cours de religion qui a été rendu optionnel en 2015. Il y a eu une étude effectuée par l'Université catholique de Louvain qui a été menée sur 1640 étudiants, qui ont été interrogés sur les différentes thématiques et notamment leur perception du cours de religion et leur attente par rapport à celui-ci. Ce qui a été constaté, en fait, c'est que les jeunes ont un réel intérêt pour la spiritualité et notamment pour les questions spirituelles, même s'il était constaté qu'ils n'avaient pas toujours une connaissance de la religion catholique, puisque ici c'était quand même posé sur des étudiants qui étudiaient la religion catholique. Cette étude relevait notamment que très peu d'élèves avaient une expérience et une connaissance, encore moins, de la mystique et de la relation à Dieu. Donc je me suis posé par rapport à ça et de me réfléchir en regardant le programme de l'enseignement secondaire en Belgique. Je me suis dit, tiens, il serait peut-être intéressant d'envisager de comment on pourrait intégrer la pensée de Maître Eckhart et faire découvrir Maître Eckhart à des jeunes, et plus exactement dans l'enseignement secondaire de 5e, 6e secondaire. C'est Pour faire un comparatif, c'est première et terminale en France. Ce qui avait, Monsieur de Roite avait déjà signalé qu'un des grands manquements dans le programme, lorsqu'il avait été créé, dans le dernier programme du cours de religion, qui a quand même une vingtaine d'années, c'était justement le manque de référence à la patristique. Et ne parlons même pas de la mystique rhénane. Donc, à la suite de ça, j'ai un peu regardé le programme de religion. Si vous voulez, il est quand même demandé à des jeunes de travailler des questions relatives aux religieux, de formuler des questions relatives à ce domaine, en utilisant des documents et autres. Il y a en fait en Belgique trois grands axes qui sont demandés, qui est demandé aux jeunes, pardon. On demande de réfléchir à des questions existentielles, à de l'apport culturel et philosophique, et à une ressource par rapport à l'écriture. Comment est-ce que je pourrais dire? Une des réflexions que je m'étais dit, c'est que, en finalité, par rapport à tous les enseignements, moi je viens du domaine, avant de faire la théologie, moi j'étudie le domaine des sciences, je suis une formation en sciences de la santé publique, domaine de la santé,
Et dans l'enseignement même de la biologie, de la chimie, on avait toujours cette limitation par rapport au programme. On ne peut plus quitter et donner, enfin, on peut toujours donner un avis, hein, c'est pas ça, mais je trouvais que le cours de religion avait cette opportunité de pouvoir poser des questions et de ramener les jeunes à une réflexion. Et il a été constaté, notamment dans l'étude, je reviens là-dessus, mais dans l'étude, on avait interrogé aussi des professeurs de religion catholique, et très peu ont une connaissance, même minime, de certains pères de l'Église et même des mystiques. Là, je ferme cette parenthèse. Et autre point, il avait été constaté aussi que les jeunes sont intéressés par des courants d'autres religions, notamment les différences à travers la différence d'anthropologie. Et ce qui l'étude avait relevé, c'est que notamment ils étaient intéressés par le milieu du bouddhisme pour son aspect, on va dire, non violent par rapport au catholicisme, ce que, en tout cas, ce qu'ils en croient. Donc, dans les ressources de la foi chrétienne, donc je vous disais, donc il y a trois entrées. La première entrée, donc, c'était de l'enracinement et des questions existentielles dans 10 thèmes. Et un des thèmes qui est proposé dans l'enseignement de la religion catholique, c'est fonder la spiritualité de l'humain, avec différentes portes d'entrée. Et une des portes d'entrée, c'est l'unité de soi, à travers, par exemple, dans les trois ressources de la foi chrétienne, le croire, le célébrer et le vivre. On a l'unité de la personne dans l'anthropologie biblique. On a, ça c'est pour le croire, pour le célébrer, on a la prière comme lieu d'unification de la personne. Et dans le vivre, on a notamment les initiateurs de courants spirituels. Et en réfléchissant, je me disais que pour ce qui est de l'unité de soi, pour ce qui est des initiateurs de courants spirituels, pour ce qui est de l'unité de la personne dans l'anthropologie publique, il pouvait être pour moi intéressant d'analyser, la pensée de Maître Eckhart et comment elle pourrait être transmise à des jeunes, notamment en me basant sur la prière, sur les dialogues spirituels, j'avais pris l'exemple et aussi le sermon de l'homme noble. Et voilà, donc moi je souhaite faire un travail en partant de la figure de l'homme noble pour essayer de rejoindre l'unité de la personne dans le cadre du cours de religion catholique et comment je peux l'entamer. Smile.